Communion au quotidien. Bonjour amis, bienvenue à Communion au quotidien pour ce mercredi 5 octobre 2022. Loué soit notre Dieu qui vous connecte à Communion au quotidien. C'est notre sujet de prière, que le Seigneur vous comble de ses grâces abondantes et vous fasse prospérer à tous égards. C'est maintenant notre rendez-vous autour de la table pour ce moment de communion avec Dieu en famille. Amis, l'expérimentation ou notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit est cette étape où nous regardons la foi en exercice. Il importe, amis, de réaliser que la foi chrétienne se dynamise. Autrement dit, la foi chrétienne répond à toutes les questions que lui pose le terrain, la réalité. C'est-à-dire, la foi confrontée à la réalité de chaque jour répond victorieusement aux défis de l'existence, tant sur le plan historique que de l'actualité. Voilà, amis, qu'il est important cette expérimentation. Nous voyons la foi en exercice, nous voyons ce qui se fait et nous voyons comment aussi le Saint-Esprit agit. Amis, voyons ensemble. Hier, nous avons vu l'intervention de Pierre, le chef de file des apôtres, sur la question du salut que certains juifs croyants de la secte des pharisiens pensait pouvoir imposer comme étant la résultante de l'équation Jésus plus la loi de Moïse. Amis, après avoir écouté le rapport du premier voyage missionnaire de Paul, accompagné de Barnabas bien sûr, eh bien des croyants du groupe des pharisiens rappellent les missionnaires, attirent leur attention sur le fait qu'il fallait circoncire les croyants et exiger l'observation de la loi. Amis, prenant la parole comme au jour de la Pentecôte et comme à chaque occasion, et même devant les tribunaux, Pierre rappelle que l'Évangile est proclamé par la foi. Le Saint-Esprit est venu sur les non-juifs croyants, bien entendu, par la foi. Ils sont purifiés par la foi. Donc, le salut tant des juifs que des non-juifs est donné par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et amis, Pierre a ajouté qu'il est injuste d'imposer un fardeau aux croyants, c'est-à-dire aux disciples, qu'aucun juif ni pharisien du temps et d'ailleurs n'était arrivé à porter. Et il a ajouté que c'est même provoquer Dieu que d'imposer de tels rudiments aux disciples. Une manière de poser l'impossibilité du salut par la loi de Moïse. Amis, Pierre a finalement conclu que juifs et non-juifs, tous en Christ, nous sommes sauvés par la foi, sans aucune distinction ou différence entre les gens. Amis, une telle intervention est suivie d'un silence de cimetière, comme dirait un ami styliste. Un ami styliste. Aujourd'hui, amis, nous allons découvrir un autre aspect de la question avec l'intervention de Jacques, qui était un ancien, probablement le premier à l'église de Jérusalem. Eh bien, amis, la question du temps dans la révélation de Dieu, la question du temps dans la révélation de Dieu, c'est ce que Jacques va aborder. Amis, c'est indispensable de comprendre le temps dans la révélation pour éviter la confusion. Amis, nous allons ensemble découvrir cet aspect que
Personne ne doit négliger si vraiment on veut comprendre l'horloge prophétique. Ah, c'est tellement important, amis, et j'en profite pour rappeler cette étude sur le royaume de Dieu et la fin des temps. Quelle implication pour les croyants à partir du jeudi 12 octobre 2022 entre 6h30 et 8h du soir en ligne que nous allons tenir par la grâce de Dieu. Revenons, amis, à notre cause pour aujourd'hui. Revenons à notre cause pour aujourd'hui. Il est dit, en Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 13, je lis pour vous, amis, accrochez-vous vraiment aujourd'hui, amis. Voilà. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Homme, frère, écoutez-moi. » Simon, parlant de Pierre, a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir au milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Un peuple qui porta son nom. Question pour un champion. Quel est ce peuple, ami? Répondez, s'il vous plaît, dans les commentaires. Répondez dans les commentaires. Question pour un champion. Quel est ce peuple? Voilà. OK? Je reprends le verset. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Je rappelle la question pour un champion. Quel est ce peuple? Verset 15. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. Verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors, il apparut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barnabas, et Silas, hommes considérés entre les frères, ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Je vais vous lire le contenu de la lettre que l'église de Jérusalem a envoyée à toutes les églises qui étaient affectées par cette question doctrinale. Écoutez la lettre, amis. Les apôtres, les anciens et les frères, aux apôtres d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leurs discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Voici enfin, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Amis, voilà la lecture. Notre sujet pour aujourd'hui, écoutez ça bien, amis. Distinguons les temps et ça s'arrête là. Distinguons les temps et ça s'arrête là. C'est-à-dire la question de confusion, la question de savoir comment être sauvé, la question de savoir est-ce qu'il faut judaïser. Eh bien, amis, il faut pouvoir distinguer les temps. Et si comme chrétien, si comme croyant, si comme enfant de Dieu, nous n'arrivons pas à distinguer, à discerner la question du temps dans la révélation de Dieu, eh bien, amis, nous allons vivre avec beaucoup de confusion notre foi.
Nous allons vivre notre foi avec beaucoup de confusion. Voilà, amis. Considérons les détails maintenant et je vous demande vraiment de prêter attention. Voilà. Après l'intervention de Pierre, amis, nous avons vu cette intervention hier. Après l'intervention de Pierre, et nous l'avons vu, cette intervention hier, l'assemblée garde le silence. Le silence. Paul en a profité pour expliquer les détails de son rapport sur son premier voyage missionnaire, notamment les miracles et les prodiges que Dieu a réalisés par leur témoignage au milieu des non-juifs. Après cette prise de parole, Jacques, un ancien de l'église de Jérusalem, probablement le premier parmi les anciens, prend la parole comme pour conclure la première conférence de l'histoire de l'Église pour fixer la doctrine. Amis, Jacques invite tous à distinguer la notion du temps dans la révélation de Dieu. Et ça a été le vrai problème du Sanhédrin, ça a été le vrai problème des autorités juives. Amis, d'abord, maintenant, et Jacques parle, c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Le temps de l'entrée des non-juifs dans le plan de Dieu, dans le programme de Dieu, selon le calendrier de Dieu, pour former un peuple qui appartient à Dieu. À savoir, question pour un champion, ami. Quel peuple? Je reprends, ami. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de l'entrée des non-juifs dans le programme de Dieu, dans la révélation de Dieu, selon le calendrier de Dieu, pour former un peuple qui appartient à Dieu, qui porte son nom. Question pour un champion, ami. Quel est ce peuple? À l'unanimité, ami, répondant l'Église. Ah oui, ami. Ah oui, ami. Maintenant, c'est le temps de la grâce. Donc, au temps marqué par Dieu, dans son horloge prophétique, ce temps est le temps des nations non-juives pour faire leur entrée dans le programme de Dieu, à savoir l'Église. Ami, question. Y êtes-vous déjà entré? C'est absolument nécessaire. Et je rappelle que ce temps a une limite. Que ce temps a une limite. Le moment pour entrer dans le programme de Dieu, c'est maintenant. Aussi, amis, y a-t-il un moyen pour entrer dans le programme de Dieu? Dans le programme, dans ce programme. Dans le temps de la grâce. Comment entrer dans ce programme? Eh bien, amis, c'est par la foi, F-O-I, la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sanctifiés par la foi. Nous triomphons du monde par la foi. Nous sommes purifiés par la foi. Amis, c'est une opportunité en or. Dieu a jeté les regards sur les nations pour choisir au milieu d'elles un peuple qui porte son nom, à savoir l'Église. Et amis, je prie maintenant que Dieu nous accorde le discernement pour comprendre cette vérité et profiter du temps qui nous est imparti. Et là, je m'adresse à tout un chacun. Au-delà des murs d'une église locale, au-delà du foyer de communion, là, je m'adresse à tout un chacun, à tout le monde généralement quelconque. Et bien plus, amis, que nous cheminons vers la fin de ce temps, c'est l'occasion à ne pas rater. Amis, l'Église, c'est la parenthèse de Dieu, l'Ecclésia, l'assemblée appelée hors d'eux. Amis, dans cette parenthèse, l'appel de Dieu est individuel. L'appel de Dieu est individuel. Il est dit en Romains 10, verset 9. Si tu confesses, si tu crois,
tu seras sauvé. Voilà, ami, c'est individuel. C'est spécifique. Quittez-nous ça, bien ami. Il n'est pas prévu de salut collectif sous la grâce. Chacun doit venir à Dieu pour son salut et ainsi pour faire partie de l'Église, le peuple de Dieu parmi les nations. Amen, ami. Est-ce que vous êtes là? Car il est écrit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la loi, mais de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1, verset 11 à 13. Amis, c'est extrêmement important, cette étude aujourd'hui. Ça, c'est la première partie du discours de Jacques. Il dit, faites attention, ce temps appartient aux non-juifs. Aux non-juifs, aux nations non-juives. Parce que Dieu cherche un peuple parmi les nations. Pour former ce peuple à travers... Quelle entité habite? Je viens de vous le dire. La question pour un champion. Et Jacques ajoute, ami... C'est prophétique. Ce qu'il vient de décrire là, c'est prophétique. Et il dit, après cela, c'est-à-dire après le temps de la grâce, après le temps de la grâce, après cela, dit-il, je reviendrai, je relèverai la tente de David pour en réparer les ruines et la redresser. Et voilà, amis, là, Jacques cite la prophétie d'Amos au chapitre 9, versets 11 et 12. Il dit, après cela, autrement dit, après la dispensation de l'Église, après la dispensation de la grâce. Amis, le temps des Juifs viendra bien après pour avoir méconnu et rejeté le Messie, le Christ, loin de l'Éternel, le saint serviteur de Dieu. Et ami, qui te me dit ou bien, ce sera un temps de grande tribulation. Et n'était-ce pas la miséricorde de Dieu, sa fidélité à son alliance avec Abraham, à son alliance envers David. Et ami, c'est inimaginable, car Dieu demeure fidèle, même face à l'infidélité des siens. Donc ami, au retour de Jésus-Christ, Dieu promet de restaurer son peuple, à savoir les Juifs, Israël. Mais après de grandes tribulations, en raison de l'incrédulité des Juifs, beaucoup d'autres individus parmi les nations aussi chercheront le Seigneur à cette période-là. À cette époque-là. À ce moment précis de l'histoire. Et ça s'en vient. Et en ce temps-là, amis, comme le souligne Jacques, en citant la prophétie d'Amos, tenez bien, oui, amis, seulement un reste cherchera le Seigneur. Vous voyez, parmi les Juifs, parmi les Israélites, oui, parmi ceux d'Israël, oui, seulement un reste. Et quand nous lisons Zacharie, nous voyons que un tiers, nous voyons le nombre, un tiers. C'est-à-dire que Dieu est précis dans ce qu'il dit, ami. Dieu est précis dans sa révélation, ami. Et c'est pourquoi, si vous rejetez la révélation de Dieu en Jésus-Christ, ami, c'est un pire châtiment que vous allez subir parce que vous avez vu l'évidence de Dieu à travers cette révélation. Vous avez vu l'ultime à travers la révélation de Jésus-Christ. Vous avez vu la révélation objective de Dieu à travers Jésus-Christ. Amis, c'est très important et à ce moment-là, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Il faut comprendre cette réalité-là. Il faut comprendre cette réalité-là. Amis, je vous fais grâce de trop de détails. Nous verrons ce sujet en détail dans notre étude du jeudi, à partir de la semaine prochaine. Et en conclusion, amis, trois choses à considérer.
trois choses à considérer. Regardez bien. Jacques s'accorde à l'idée qu'on n'impose aucune difficulté aux croyants. Autrement dit, amis, personne n'a besoin de devenir juif pour être sauvé. Assez. Personne n'a besoin de devenir juif pour être sauvé. Soit en respectant, je ne sais pas, en essayant d'obéir à la loi, etc. Et c'est pourquoi Paul a très bien dit cela en Galates chapitre 3, le verset 16 ou 17. Tous ceux qui s'attachent à la loi, ils sont sous la malédiction. Amis, la Bible est claire. La Bible est claire sur ces notions-là. Voilà. Premièrement, personne n'a besoin de devenir juif pour être sauvé. Non, le salut est par la foi, par la grâce seule, la foi seule, la grâce seule, la vérité de la parole de Dieu, la Bible seule et la gloire de Dieu seule. Et deuxièmement, amis, voilà le principe, et c'est très important, oui à la grâce et non à la licence. Oui à la grâce et non à la licence. Et voilà, Jacques dit, attention, il y a une abstinence utile. Quelle est cette abstinence utile? Attention, s'abstenir de la souillure des idoles. Autrement dit, sur la base de la foi chrétienne, personne ne peut s'autoriser de participer dans des activités dédiées aux idoles, quelles qu'elles soient, notamment des aliments sacrifiés aux idoles ne sont pas recommandés. Et amis, aucun croyant sérieux ne saura quelque chose, que quelque chose a été sacrifié aux idoles et va au moins s'en réjouir, se prélasser de cela. Non. Non. Dieu n'est pas dans l'idolâtrie. Autre chose qu'il a dit aussi, les débauches. Les débauches. Aucun croyant ne peut se payer le luxe de vivre dans la débauche, les péchés sexuels notamment. Ce serait se donner une balle au talon que de penser pouvoir vivre dans la débauche comme croyant. Et il faut lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 jusqu'à la fin pour réaliser que non, c'est quelque chose que Dieu condamne. Dieu n'en veut pas. Et enfin, la question des viandes, je ne sais pas, d'animaux étouffés, etc., et du sang, je ne sais pas, peut-être que ça pose des problèmes de santé, etc. Mais à remarquer, amis, et le troisième élément, d'abord, personne n'a besoin d'être juif, de devenir juif pour être sauvé, c'est assez, ok? Deuxièmement, oui à la grâce, non à la licence, c'est important. Et troisièmement, une lettre pour rendre formelle la vie des apôtres, va être partagée avec les croyants de toutes les églises qui ont été affectées par le passage de ces croyants juifs de la Judée qui ont semé cette confusion, à savoir qu'il faut respecter la loi de Moïse pour être sauvé. Amis, et là, Jacques a bien dit, il dit, et ces choses-là que je vous dis de vous en abstenir, c'est une recette de grand-mère. Ce sont des principes connus de tous. À remarquer, amis, les restrictions de Jacques ne sont pas recommandées comme condition de salut. Cette question est déjà réglée par l'apôtre Pierre. Jacques propose une solution de vivre ensemble aussi dans le respect mutuel. Parce que ce ne sont pas tous les détails de la loi qui sont, je ne sais pas, à considérer comme inadapté. Il y a des principes sanitaires qui sont à considérer. D'accord, amis? Oui à la grâce et non à la licence. C'est pourquoi Jacques propose cette solution de vivre ensemble. Et enfin, voilà la lettre, amis, qu'il adresse aux églises pour formaliser la position des apôtres sur la question. Et voici, je vous en donne un résumé. Voilà, il dit, le Saint-Esprit et les apôtres assemblés n'imposent aucune charge aux croyants que ce qui est nécessaire. C'est un discours en faveur du salut par la grâce. Donc, amis, étant non sous la loi, mais sous la grâce,
nous nous abstenons de l'idolâtrie, n'est-ce pas? Nous nous abstenons de la débauche et des choses semblables. Amis, s'agissant du salut en Jésus-Christ, la foi seule, la grâce seule, la gloire de Dieu seule et rien d'autre, amis. C'est un sujet à part et nous parlerons d'autres choses après. C'est ça, amis. Prions ensemble, amis. Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour tes bienfaits dans notre vie. Nous bénissons ton nom pour ton amour infini. Oui, tendre Père, tu as pensé à nous depuis toute l'éternité pour nous intégrer dans ton programme. Nous bénissons ton nom et nous te sommes reconnaissants. Nous te remercions, Père, pour la dispensation de la grâce, pour le salut par la foi. Nous te remercions pour le prix payé à la croix. Ô Père, nous te sommes reconnaissants, nous bénissons ton nom et nous disons louange à toi qui a pensé à nous et qui a consenti ce sacrifice ultime pour nous sauver. Père, nous te remercions pour cette dispensation. En Christ, Père, merci parce que tu ne fais pas de distinction entre les gens. Ainsi, personne ne peut se glorifier. Et le prophète Jérémie a bien dit, « Toute notre gloire comme croyants, c'est de connaître le Seigneur et le servir. » Merci pour ta parole. Merci pour le salut par la foi. Père, nous prions pour le foyer de communion et toutes les personnes que tu connectes à ce service. Ô Père, ranime la flamme de ta parole, pour que nous puissions mieux te connaître et te servir de tout notre être. Nous bénissons ton nom, Père. Nous bénissons ton nom pour les ouvriers à ton service dans le foyer de communion. Que d'un seul cœur, nous soyons disposés par le Saint-Esprit à œuvrer pour la conquête au nom de Jésus, notamment dans notre pays. Nous pensons à chaque famille haïtienne qui vit ces temps de crise récurrents dans notre pays. Ô Père, nos yeux sont sur toi. Nous pensons à notre frère et ami Fréno. Tu connais tous les malaises qu'il ressent maintenant. Au nom de Jésus, nous te demandons de le guérir. Et nous déclarons guérison tant physique qu'émotionnelle. Et dans tous les sens, pour notre frère, par la foi et au nom de Jésus. Nous prions pour notre famille, nous prions pour nos parents. Nous te rendons action de grâce aujourd'hui, pour ce jour inoubliable du 4 octobre 2022. Oui, papa, ou fidèle, ou bon, ou sans pareil, nous bénissons pour ça au fer. Et nous ne pouvons jamais suspendre merci. Nous ne pouvons jamais suspendre reconnaissant envers vous pour ça. Oh papa, merci parce que c'est vous qui séchez de l'eau dans les yeux. Merci parce que c'est vous qui portez fardeau nous. Merci pour grande fidélité ça qu'on témoigne envers nous pour journée ça. Et nous ne pouvons jamais oublier jour ça. Ah oui, jour ça qu'on délivre nous. Nous ne pouvons jamais oublier jour ça qu'on délivre nous, et nous bénissons pour ça, papa. Ah oui, nous songeons, Jean Fel, pour l'apôtre Paul, Seigneur. Oui, il passait à travers des difficultés, mais ça n'a pas empêché que lui prêcher l'évangile. Nous songeons, Jean passé avec David. Quand on prend l'amour, on levait le bien haut, nous bénissons pour ça. Ou passer avec Joseph, ou faire quand même ça où tu voulais lié. Nous bénissons et nous disons merci. Et c'est prophétie à ça, Seigneur, pour la vie famille nous. Nous bénissons au nom de Jésus. Oh, merci Père. Nous remercions. Nous te célébrons. Nous célébrons ton nom pour ce bienfait spécifique au nom de Jésus. Nous prions, Père, pour les Haïtiens de partout. Oh, Papa, la conscientisation, la justice, la paix, la sécurité. Prière nous, papa, c'est pour que ces bénédictions saillent, que vous gratifiez nous pour payer nous au nom de Jésus. Nous prions pour territoire, pays nous. Papa, prends le contrôle de ces territoires. Règne sur nous. Règne sur le territoire d'Haïti au nom de Jésus. Parce que nous connaissons, c'est vous seul qui venez pour faire nous du bien.
Tout l'autre, c'est ravisseur. Tout l'autre, c'est mercenaire. Mais à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Le monde est ce qu'il habite. Il l'a formé sur les mers. L'a affermi sur les fleuves. Ou prend soin de création. Et nous remettre au pays, nous. Et nous soumettre au pays, nous, à vous. Au nom de Jésus. Voilà notre prière, Seigneur, devant toi, aujourd'hui. Au nom et par les mérites infinis de Jésus. Amen. Amen. Et disons Amen, ami. Amen. Et n'ayons pas peur de dire Amen, ami. Amen. Amen. Quand c'est la parole de Dieu qui est proclamée, disons Amen. Voilà, ami. Nous allons garder ensemble la question du temps dans la révélation de Dieu. Ami, c'est bagaille qui est plus grave. L'on n'est pas capable de réaliser dans qui temps qu'on y est. C'est pas qui plus grave, l'on pas capable de réaliser si période parole, si temps parole expiré, s'il finit. Et laisse ça, ou continuer à goumer comme si nous avons dit, ou à goumer dans le vide. Ou à goumer dans le vide. Ami, nous devons connaître temps. Et c'est peut-être l'occasion, ça m'a profité pour m'inviter dans l'étude ça que nous avons gagné à partir de jeudi 12 octobre 2022. Ami, ce sera un temps spécial. Préparez vos questions, préparez-vous parce que nous allons entrer dans la parole de Dieu pour en ressortir vivifié, pour en ressortir avec croissance spirituelle, avec développement progressif, avec développement progressif de la connaissance de notre Dieu. Voilà, amis. Et je vous souhaite aujourd'hui une journée d'expérimentation. Réalisez dans qui tant qu'on y est qu'on y a. Dans l'horloge prophétique là. L'imaké la grâce jodia. Quittant la pierre demain, nous pas qu'on est. Profitez de temps ça jodia. Ok? Voilà, amis. Et je vous souhaite une excellente journée sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà, amis.